école française et qu'on est en train de faire des actions de lutte contre le Covid dans les villages pour sensibiliser, pour la prise en charge des sites de Covid à Samba, Bambao et Fomboni. Et à part ça, on a aussi d'autres projets. On a continué nos projets d'amélioration des soins dans les hôpitaux. On est dans le district de Fomboni, dans le district de Mbremani et de Pomoni pour renforcer les hôpitaux et pour améliorer la prise en charge des malades. Donc on donne des médicaments, on forme le personnel, on sensibilise la population sur les problèmes de santé. Et puis on a récemment un autre projet, un nouveau projet, c'est-à-dire la thématique genre, protection de la femme, protection de l'enfant. Donc on est en train de lancer ce projet et on va être aux côtés des acteurs des Comores pour renforcer les acteurs déjà ici au niveau pays qui travaillent dans ce domaine. C'est un projet financé par l'ambassade de France à travers la Croix-Rouge française. Et on a aussi un nouveau projet parce qu'on a pensé que lorsqu'on a des problèmes en Moïli, des problèmes de catastrophe. À Moïli, en juin, on a des problèmes pour l'acheminement du matériel, pour aider les gens là-bas. Donc, on a, avec la Croix-Rouge française aussi, on a trouvé un financement pour aller construire des entrepôts en juin et à Moïli. Et comme ça, on délocalise le matériel de prise en charge. Parce que ici, déjà, la Croix-Rouge française, à travers l'AFD, nous a construit un grand entrepôt avec beaucoup de matériel. Donc, maintenant, on est en train de diversifier notre offre pour la population comorienne. On voudrait aussi, c'est pourquoi aussi, comme le président l'a dit, on vous a fait venir ici parce que à la fin de l'année, on doit penser à comment le Croissant-Rouge comorienne va travailler avec la Croix-Rouge française dans les 20 ans à venir. Donc on doit maintenant réfléchir sur beaucoup de choses. Certainement, on travaille avec la Croix-Rouge française sur la gestion de risques et des catastrophes et tout le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ça on ne va pas arrêter. Mais on doit réfléchir aussi comment faire en sorte que, comment faire pour accompagner le gouvernement, par exemple, dans sa politique d'amélioration de la santé de la population. Donc,